Aujourd'hui, on va utiliser nos sens, le goût et la vue. Et au-delà du goût et de la vue, on va pouvoir constater et réaliser quelque chose d'important pour nous. Oui, je vous invite à goûter et à voir. C'est une belle pomme que je goûte. Goûter et voir. Donc, constater combien le Seigneur est bon. Dans le verset bien connu, verset 9 du psaume 34. Ce psaume, dans son ensemble, est un bijou. Un bijou parce que son contenu ne peut que nous encourager. Il est très précieux. C'est pourquoi je vous invite à le lire quand vous êtes en proie au découragement, à l'abattement, au doute sur la présence de Dieu et sa capacité à entendre nos prières, mais aussi quand vous êtes tenté de désobéir à Dieu ou de douter qu'il contrôle toutes choses. Parce qu'une fois que vous l'aurez lu, ce psaume 34, vous ne désirerez faire qu'une chose, louer le Seigneur. Je lis souvent ce psaume quand j'effectue une visite chez quelqu'un, en particulier une personne âgée ou une personne seule, ou fatigué ou découragé. Il y a aussi des chants bien connus qui sont tirés de ce psaume 34. Par exemple, le j'aime 316, tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Ou bien le j'aime 340, Dieu est bon, nous voulons le crier, Dieu est bon, le célébrer. C'est aussi ce qu'on appelle un psaume acrostiche, parce que chaque verset commence par une autre lettre de l'alphabet hébreu, sauf le dernier verset 23. Donc c'est aussi un psaume très poétique. Il faut aussi signaler que David a écrit ce psaume alors qu'il avait dû fuir de devant Saül pour se réfugier chez Achish, le roi de Gath, mais qu'ensuite il avait eu peur de ce roi de Gath et qu'il avait donc joué au théâtre en se faisant passer pour un fou pour pouvoir échapper et se cacher dans une caverne à Adullam. On voit cela dans 1 roi, chapitre 21, verset 11 à 22, verset 1. Alors aujourd'hui, dans cette petite méditation, je vous propose de nous arrêter juste sur le verset 9. Goûtez et constatez combien le Seigneur est bon. Heureux celui qui trouve refuge en lui. Alors quand on goûte un plat, ou une pomme, ou autre chose, un mets, on a tout de suite une réaction. Ah, c'est excellent, c'est succulent. Ou bien, bof, c'est pas extraordinaire. Ou carrément, eh bien, moi, j'aime pas. Et après avoir vu cela, eh bien, soit on mange avec délectation et plaisir le plat en question, soit on le mange, eh bien, parce qu'il faut bien manger quand même, ou alors, soit carrément, on va peut-être refuser de manger ce plat tellement nous le trouvons mauvais ou infect. Goûter et voir combien Dieu est bon. Goûter et voir combien Dieu est bon. Cela veut dire, d'abord, faire une sorte de pari sur sa bonté, en quelque sorte miser sur sa grâce, un peu comme l'a proposé Blaise Pascal dans son fameux pari. Vous savez, il a dit, gageons que Dieu existe, parions sur l'existence de Dieu, et ensuite, en expérimentant, on pourra réaliser qu'il existe vraiment. Et si vraiment, une fois qu'on aura gagé que Dieu existe, on constate qu'il n'existe pas, eh bien, on n'aura rien perdu. Mais il dit, gageons, parions que Dieu existe, et ensuite, on pourra expérimenter Dieu. Donc, on peut en quelque sorte dire que cela signifie croire en Dieu, goûter et voir combien le Seigneur est bon. Croire en Dieu, donc avoir la foi en Dieu, en sa bonté, se lancer dans ses bras d'amour et de grâce, de bonté. Hébreux chapitre 6, verset 5 et 1 Pierre 2, verset 3 utilisent d'ailleurs ce verset 9 du psaume 34 pour décrire la première entreprise dans la foi et nous incite à considérer cette confiance que bien plus qu'un échantillon fortuit. Derek Kidner, commentateur d'un psaume, du psaume, nous le dit. Donc premièrement, faire une sorte de pari sur la bonté de Dieu, miser sur sa grâce, et deuxièmement, ensuite, quand on a goûté à la bonté de Dieu, quand on a fait ce pas de foi en lui,
bien qu'on a misé sur le fait que nous voulons construire bâtir notre vie sur le Seigneur, qu'on a expérimenté, comme lorsqu'on goûte un mets dans son palais, alors on peut voir, c'est-à-dire réaliser et constater qu'effectivement, le Seigneur est bon. Et cela, dans le quotidien de l'existence. Et alors, on peut se dire, eh bien oui, je ne me suis pas trompé, le Seigneur est effectivement vraiment bon. Je ne regrette absolument pas en lui de lui avoir confié les rênes de ma vie. Avez-vous goûté et vu, constaté combien le Seigneur est bon? Et ensuite, dans le reste de ce psaume, on peut entre autres voir les conséquences pour nos vies à ce constat de la bonté de Dieu, et en particulier le fait que Dieu répond aux prières. Voyez pour cela 12 versets, rien de moins que cela, qui mentionnent la réponse de Dieu aux prières. Versets 5, 6, 7, 8, 10, 11, 16, 18, 19, 20, 21 et 23. Et les verbes employés dans tous ces versets, employés pour Dieu, sont répondre, arracher aux frayeurs, aux détresses, entendre, sauver, délivrer, ne manquer de rien, être attentif, être prêt, garder, libérer. Alors, êtes-vous convaincu que Dieu est bon? Moi, oui.